peux m'épouser. Allez! Ouais! Bonsoir à tous, à toutes, bonsoir Monsieur Pivot. Bonsoir. Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre... Oui, que... c'est inadmettable, effectivement. Que les gens ne se corrigent pas de ce problème... Ah, ils sont incorrectibles. ...de français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste... Oui, il devrait gesticuler. Et enfin, insister sur le fait d'apprendre... Oui, il faut insister sur l'apprendage du français. Investir, en quelque sorte, dans notre langue. Oui, ce serait une bonne investiture. Enfin, beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabétrave est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Alors, j'ai fait approuver mes textes par le gouvernement. Ce sera donc une dictée ministéreuse. On dit ministérielle. Oh, pardon. Espèce d'illettré. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. Vous êtes là, Didier? Moi, je suis Thierry, moi. Qu'est-ce que c'est que ce zouf? Didier est malade, alors on a dû le remplacer par le régisseur. Ça va être marrant. Bon, enfin. À vos plumes, c'est parti. Top. La brume a de beaux éloges de la rouge pénombre derrière. La brune a de beaux loloches. Et la rousse, un énorme derrière. Une opaque couche avait franchi la plaine. Ne me dis pas que tu couches avec Francis Lalaine. Une saison pourtant n'est plus. T'as raison, je ne bondais plus. La tristesse pâle couvre en amont. Là, tu stresses parce que je découvre un amant. La jolie baie des tilleuls. Là, je lis une BD, ta gueule. Il y aura demain cet effet sirupeux dans le ciel muni de bleu frais. Il y aura demain sur tes fesses si tu veux dans 5 minutes à peu près. Et le vent élancé s'en ira sans tonner. Et le vent que j'ai lâché s'en ira. L'hymne sombre des cantons de la triste et cruelle. L'innocente chanson de Patrick Bruel. Pas mal. Bonjour. Oui, madame. J'ai une réservation. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Madame Ernestinette Cacapoulet. Parfait, madame. Voici la clé de la chambre 75. Merci. Bravo. Tout va bien, madame? Je viens de me péter la gueule. On va vous appeler quelqu'un. Vous inquiétez pas. Mais vous allez où? Je veux jouer à Fortnite. J'ai sur TikTok. Bon bah, il reste plus que nous deux. J'ai pensé à un autre petit jeu. Oui, les mots mêlés. Tiens, regarde. Divorce. Non, ça rentre pas. Si, si, ça rentre très bien. Ah, les pubs. Et avec Pingouillon, c'est comment garder notre bonne humeur. Avec la marche du pingouin. Bon, allez. Avec la marche du pingouin. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? Ah bah, en fait, on a vu des Kidder Pingouis. Mais je m'en fous, en fait. C'est une propriété privée, vous avez rien à faire là. On est vos voisins? Oui, on veut des Kidder... Mais je m'en branle! Il y a une épicerie à côté, vous allez en acheter, c'est tout! Ok, j'appelle la police. On y va. Oh, je t'avais dit que ça marcherait pas. Et puis arrêtez avec cette démarche, c'est ridicule! Arrête, c'est gênant. La la la, yeah.
The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. Excusez-moi, oui, il est quelle heure s'il vous plaît? L'heure qu'il était hier à la même heure. Quoi? Feur. Bon appétit hein. Bon abruti. Hey, tire sur mon doigt. Excusez-moi, oui, votre sac à dos est ouvert. Ah non, il est tout jaune. Regarde ce que je t'ai trouvé. Hop, je t'ai volé ton nez. Ça va? On va comme un lundi, hein. Bonjour. Au revoir. Ta gueule, t'es moche. Smoke weed every day. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Alors en fait, je suis inauguratrice d'une nouvelle application qui aide les feignants, vous savez les feignants, à partir au Cap d'Agde pour éduquer des bébés langoustes, pour se réinsérer un petit peu dans la société et tout ça. C'est tout simple, je vous donne mon téléphone, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on va dire qu'environ 50 euros, c'est le prix d'un billet de train de Paris au Cap d'Agde pour aider un feignant. Voilà. Smoke weed every day. Ta gueule! Ah, le proprio il peut t'entendre! Oh! Arrête! C'est pas vous le proprio? Ah si! Ah! Stop! C'est fou hein, la nature des fois elle fait des trucs magnifiques, autant des fois ça me dégoûte. Comme quoi? Comme toi. Bah par contre Laura, c'est toi qui paye l'électricité? Bah non, c'est ta mère. Bah oui, c'est ma mère. Bah oui, c'est ta mère. Bah pourquoi tu dis ça? Tu m'as posé une question, je te donne la réponse. Bah ok. Bah voilà. Bah génial. Bah chaise. Bah table. Bah repas. Bah dîner. Bah zèbre. Ah. Laura! Ça fait trop longtemps, faut qu'on se voit. Bah on se voit là. J'ai super froid. Bah ferme ta veste. Bah toi ferme ta gueule. Je peux goûter? Non. C'est abusé quoi. C'est clair. Non, moi c'est Corinne. Excusez-moi, vous connaissez l'histoire des petits-déj? Non. Pas de bol. Je te sers un verre? Pas plus haut que le bord, hein. Excusez-moi. Oui. Vous avez l'air? Oui. Oh, t'as une tache. Pistache. La place est prise. Oui. Eh, hey, regarde.
Allô, c'est Sarah? Sarah Croche? Thank you.